Je voulais parler un petit peu des discriminations qu'on peut voir parfois dans la société. Alors, bien sûr, c'est des projections que je fais, évidemment. Mais comme je n'ai pas tout conscientisé encore, j'ai encore parfois le sentiment que c'est à l'extérieur. Donc, je vais en parler un petit peu comme si c'était à l'extérieur, tout en sachant que ça l'est pas. Et en fait, je voudrais parler un petit peu des discriminations donc contre les gens comme moi, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler les psychistes, ou même si j'ai juste démarré vraiment cette année peut-être les capacités psychiques, donc dire que je suis psychiste là, ce serait un petit peu, on peut dire que je suis psychiste débutant, mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être aussi une discrimination contre les gens qui font de la spiritualité. Et pourquoi je veux parler de ça? Parce que en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas, je pense, vu dans la société de façon générale. Il y a clairement eu des évolutions avec notre époque. Il y a 100 ans encore, on aurait dit peut-être que l'homosexualité c'était une maladie, que c'était une déviance, que c'était satanique, par exemple, ou plein d'autres trucs. Et aujourd'hui, bah, c'est considéré comme complètement normal, comme complètement voilà, classique. Enfin, je veux dire, rien d'extraordinaire à ça. Et en fait, on pourrait penser qu'on apprend finalement un petit, voilà, les femmes étaient inférieures encore il y a 100 ans plus tôt, et maintenant, elles sont égales aux hommes, en tout cas, on est clairement sur cette tendance. Et en fait, on pourrait penser qu'on apprend de ça, mais j'ai pas tellement l'impression. C'est comme si, en fait, quand on découvre des nouvelles différences, on a les mêmes comportements qu'avant. C'est comme si on avait toujours besoin, dans un premier temps, toujours d'avoir peur, de critiquer, de se moquer. Et après, peut-être des dizaines d'années ou des centaines d'années, je ne sais pas, enfin, peut-être intégrer que c'est tout à fait naturel, et donc cela devient normal au sens normalisé, c'est-à-dire intégré dans la société. Et donc je donne un petit exemple tout bête. Je regarde donc quasiment pas la télé, mais du peu que je la regarde, ou parfois je regarde des petites actualités comme ça sur YouTube. Il y a par exemple quelque chose qui revient souvent, mais c'est vraiment, vous allez voir, c'est un exemple vraiment vraiment spécifique. C'est, il y a souvent des gens qui disent comme on peut pas prédire le futur, ta 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 ta. Je sais pas, on va parler de guerre, ou alors on va parler de maladies communes, donc le Covid au sens un virus, enfin quelque chose, voilà, qui nous impacte. Donc on parle de choses potentiellement négatives dans le futur, et il y a donc toujours, voilà, quelqu'un qui on lui demande un petit peu de donner ses prédictions au sens scientifique, au sens un petit peu avec son expertise, hein, voilà, son expérience, et parfois dans la discussion est inclus comme on ne peut pas prédire le futur. Et donc ça, voilà, ça c'est un exemple très spécifique, mais ça pourrait être d'autres choses, hein. Ça pourrait être que, par exemple, on va jamais intégrer la clairvoyance, on va jamais intégrer the remote viewing, ou plus remote viewing si on veut le prononcer à la française, donc la capacité de voir à distance, la capacité de voir dans le futur. Et en fin de compte, ce que la société comprend toujours pas, c'est que nier des différences, nier des minorités, nier des choses qu'on ne comprend pas, ça va à un moment donné lui péter à la gueule de toute façon. Et c'est ça en fait. C'est qu'effectivement, moi, je reprends mon exemple de l'homosexualité. On est 100 ans plus tôt. Je suis pas du tout expert en histoire, ça se trouve, je suis pas bon dans ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est pour donner une idée de toute façon. Et voilà, et je fais partie de la majorité, admettons, je pense que l'homophobie c'est mal, voilà. Et donc je me sens tout à fait à l'aise là-dedans parce que tout le monde pense comme moi. Et donc, bah, s'il y a une minorité de gens que je peine lorsque je dis que l'homosexuel est une maladie et que, bien sûr, c'est une évidence, eh bien, je m'en fous parce que finalement, enfin, si, dans l'exemple que je donne, je m'en foutrais parce que voilà, je fais partie donc d'un groupe majoritaire. Et je pense que c'est ça en fait qu'il faut que la société mondiale comprenne, puisque. En fait, lorsque donc dans un repas de famille, pour prendre quelque chose de plus petit, ou autour d'un plateau de télé pour prendre quelque chose de plus grand,
Finalement, c'est le même phénomène. Cette petite impunité ou cette petite négation sous prétexte que je pense comme les autres et que les autres me le confirment, et cette moquerie qui vient avec, cette arrogance qui vient en disant tout simplement une chose n'existe pas, les capacités psychiques n'existent pas, voir dans le futur n'existe pas, je sais pas, la lévitation n'existe pas, déplacer des objets à distance grâce seulement à son esprit, à sa psyché, ça n'existe pas, avec une énorme arrogance, une énorme prétention. Ce que vous comprenez pas, donc je dis vous comme ça, la société, on s'en fout, hein. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'à un moment donné, ça va vous revenir dans le cul. C'est toujours ce qui se passe en fait. On s'amuse à défoncer des minorités parce que on pense qu'on a raison parce que voilà, parce qu'en fait, ça nous fait flipper et qu'on veut pas admettre qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est le même principe pour tout, hein. On comprend pas pourquoi eux sont différents, pourquoi eux ils fonctionnent différemment, pourquoi ils font des choses différentes. On préférerait que ça n'existe pas. Et au bout d'un moment, en fait, on a fait tellement de mal, on a tellement mis ces choses à l'extérieur qu'elle revient. Et ça fait donc, je dirais, des mouvements de gauche un peu relous, pas dans leurs intentions, enfin, et encore, pas je dirais dans l'objectif. Si, effectivement, c'est de faire monter quelque chose, donc comme le féminisme ou je sais pas, ou tout ce qui est LGBT, tout ça, si c'est pour qu'on arrive à égalité, finalement ça me semble très positif, mais en général moi je trouve ça personnellement très relou parce que c'est du forcing, c'est là, ensuite on te culpabilise si tu penses différemment, t'as intérêt à te taire si tu penses pas la même chose, et puis voilà, il y a c'est vraiment une énergie que je trouve pas du tout finalement saine et que je traite toxique, donc c'est, mais en même temps ils se sont pris tellement plein la gueule que pour se faire entendre, ils sont arrivés à ce stade où l'histoire les a défoncés, mais ils se sentent maintenant suffisamment confiants, suffisamment forts pour se dire maintenant on va les défoncer à notre tour, on va faire pression, et puis il suffit que de l'autre côté il y en a qui viennent un petit peu dans notre camp et on va devenir petit à petit une majorité, et maintenant la minorité restante, le truc inversé, ils vont se faire allumer. Et c'est toujours la même chose en fin de compte. Donc évitez de vous moquer. Là, je vise personne en disant ça, je dis vous, je dis la société, ça change rien. Évitez de vous moquer, enfin, si vous le souhaitez, bien sûr, des psychistes, évitez de vous moquer de ceux qui finalement fonctionnent différemment de vous, que donc ce soit voilà, les gens qui ont des orientations sexuelles différentes, les couleurs de peau, ça pourrait être quoi d'autre, évidemment, les spiritualités, les religions, évidemment, ça pourrait être les ethnies, les origines. Ça pourrait être ceux qui ont des travails différents que vous ne comprenez pas, ça pourrait être des neuroatypies, des mécanismes de cognition différentes, typiquement, je pense à des gens qui ont des TDAH, donc des troubles de l'attention si vous savez pas ce que c'est, et il y a longtemps on disait non, c'est quelqu'un qui fait pas d'efforts, c'est quelqu'un qui est paresseux, il y a toujours ce truc de non, il fonctionne différemment, c'est sa faute, c'est pas bien ce qu'il fait, c'est à lui de revenir dans la norme, et sinon on le juge, on le marginalise. Je dis juste arrêtez, parce qu'on n'apprend jamais, on finit toujours ensuite, on fait souffrir des gens, bien sûr, après chacun peut voir que les souffrances ne viennent que de l'intérieur et ne viennent pas de l'extérieur, mais là, on n'est pas à un stade où il y a beaucoup de gens encore qui vont faire un chemin spirituel et un chemin de conscience, donc la plupart des gens pensent encore que le monde est réel, que le monde existe, et que donc il y a des gens qui nous attaquent, donc il faut prendre en compte aussi peut-être un peu ça, et donc... De toujours voilà prendre ce temps d'abîmer les autres, de se moquer d'eux, et pour ensuite que enfin après tout ce temps ils reviennent et ils vont venir avec un mouvement de gauche relou nous faire chier, nous obliger, nous mettre des lois pour qu'on pense comme eux, tout ça, enfin je trouve ça relou finalement de chaque côté, quoi, c'est-à-dire les avoir défoncés en pensant que ce qu'ils faisaient c'était pas bien et ensuite eux qui arrivent et qui nous disent comment on doit penser, je trouve ça désagréable finalement de chaque côté, et il faudrait peut-être juste un moment qu'on apprenne qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme nous, qui sont différents, on n'a pas à les aimer, effectivement, on n'a pas à être d'accord avec eux, on n'a pas à adhérer, on n'a pas à penser comme eux, on n'a pas même à essayer leur façon d'être, mais en revanche, de dire que ce qu'ils font c'est mal, que ce qu'ils font c'est pas ça qu'il faut faire, que ça n'existe pas, que c'est du charlatanisme, et puis avec cette arrogance, ça veut dire, et ben à un moment donné ça va revenir dans la gueule de ceux qui pensent comme ça, et c'est toujours une chose, et après on aura un mouvement, ce sera un mouvement de gauche encore, qui défendra ceux qui ont des capacités psychiques, qui défendra ceux qui peuvent peut-être léviter, donc voler un peu dans les airs, qui pourront voir dans le futur, qui pourront faire apparaître des objets devant eux comme Merlin, on aura donc ces mouvements-là qui diront on existe, on a le droit, et ils nous feront chier parce que ce sera encore du forcing. Donc si ça vous intéresse pas, il y a pas de problème, chacun son truc, on n'est pas tous obligés de développer des capacités psychiques, on n'est pas tous obligés de développer une spiritualité, mais essayons, et là je me le dis à moi, je le dis à tout le monde, parce que voilà, de toute façon tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, donc évidemment, mais essayons donc
voilà, de rester cool avec ce qui est différent. On a le droit donc encore une fois d'être sceptique, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'être désintéressé. On peut aussi argumenter son point de vue pour dire moi je ne suis pas d'accord avec ce comportement, je trouve qu'il est comme ci, il est comme ça. Mais cette petite moquerie et cette négation, parce qu'en fait, c'est ça que je voulais dire quand je donnais l'exemple au début de quelqu'un sur un plateau télé qui dit la prédiction du futur, de toute façon, ce n'est pas possible. Mais moi, personnellement, qui m'intéresse à ces choses-là depuis longtemps, qui me forme à des choses, qui pratique, et encore, moi, je fais ça depuis finalement pas longtemps, il y a des gens qui font ça depuis des dizaines d'années, et puis il y a des choses qui existent même depuis des millénaires. Donc des gens qui arrivent et qui disent qu'une chose qui existe depuis super longtemps, qui est pratiquée par des milliers et des millions de gens à travers les âges, et qui dit que quelque chose n'est pas possible, on est sur une négation de réalité, c'est d'une violence hallucinante. Hein, c'est comme finalement l'exemple donc de l'homosexualité. Genre, il y a quelqu'un qui est né avec une orientation sexuelle d'homosexualité, et ça lui plaît super, et il y a des gens qui arrivent, donc on est dans le passé, on est à une autre époque, qui vont dire, ah oui, ça c'est mal, ça c'est Satan, mais la vache, le clash, la violence, c'est hallucinant. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, donc, en tant que non pas psychiste, mais plutôt à ce moment-là, quelqu'un qui tend vers le psychisme, qui tend vers la puissance interne, qui tend vers la reconnaissance du divin interne en tant que pragmatisme, et non pas simplement en tant que ressenti, et en tant qu'abstraction, ce qui peut être très bien aussi, chacun son chemin spirituel, même si parfois je critique un peu ça, chacun son chemin là-dessus. Moi, j'ai ressenti toute ma vie une énorme négation de ce que j'étais. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est une négation qui vient de l'intérieur. Mais là, voilà, je prends un angle différent dans cette vidéo. J'ai ressenti une négation vraiment énorme, où vraiment la société disait que ce à quoi je m'intéressais, ce qui me parlait au plus profond de moi, n'existait pas. C'est un des trucs. Enfin, je ne devrais pas m'y intéresser. Je serais un charlatan. Je serais ridicule. Et après, au pire, même c'est mal de s'y intéresser. C'est ce qui, par exemple, ce qu'on va trouver dans le catholicisme, que, eh bien, s'intéresser aux capacités psychiques, il ne faut pas le faire. Donc voilà. C'est-à-dire que par exemple, Jésus, lui, le fait. Hein, il dit d'ailleurs, même je suis pas expert sur Jésus, hein, mais voilà, il me semble bien que Jésus dise que ce que je fais, vous le ferez aussi et vous ferez même bien plus. Mais les catholiques, non, ils veulent pas le faire. Bon. Je dis pas ça d'ailleurs pour critiquer, je dis juste qu'il y a un conflit interne qui dit non, Jésus il a le droit, mais Jésus il est à l'extérieur, Jésus c'est pas moi, Dieu est là-bas, voilà, moi c'est pas Dieu. Et donc voilà, donc bref, ce que je veux dire c'est que faites gaffe parce que sinon c'est toujours la même chose quoi. Même si cette vidéo va sans doute être vue par quasiment personne, mais c'est pas grave, déjà dans le futur elle sera peut-être vue beaucoup plus, ça on ne sait pas, peut-être pas du tout, peut-être beaucoup, on n'en sait rien. Mais il fallait dire, c'est toujours le même principe. On découvre en fait finalement des nouveaux modes de vie, on découvre quelque chose. Et c'est ça aussi le divin, c'est toujours infini, il y a toujours d'autres trucs. Et on va dire, ah ben moi, ça je ne connais pas, ça n'existe pas, je n'ai pas vérifié personnellement, et je n'ai pas envie de vérifier, donc ça n'existe pas. Ce n'est pas prouvé par des autorités que je reconnais, par exemple la science, des médecins, je sais pas, mes parents, mes profs, voilà. Donc ça n'existe pas. Mais ça, c'est une violence. C'est une violence, c'est une négation. C'est un refus d'existence de l'autre. Et ça va vous péter à la gueule au moment venu. Ce sera peut-être dans des dizaines d'années, ce sera je sais pas quand, mais à un moment donné, tout ce que vous avez nié, tout ce que vous avez dit qui n'existait pas, parce qu'en fait vous préféreriez que ça n'existe pas, et non pas que vous argumentiez un point de vue rationnel en écoutant sincèrement le point de vue de l'autre, non, vous étiez animé de quelque chose. Voilà, que ça vous dérange, ça vous fait peur, hein, comme dans mon exemple de l'homosexualité des années ou des centaines d'années plus tôt. C'est toujours la même chose. Donc, on n'est pas obligé d'adhérer. On est voilà. Si ça vous a, donc dans mon cas, si les capacités psychiques, si la spiritualité, ça vous emmerde, mais il n'y a pas de souci. C'est tout aussi bien. Moi, je ne sais pas mieux de s'intéresser aux capacités psychiques que de ne pas s'y intéresser. Mais faites gaffe. À chaque fois que vous niez une minorité, à chaque fois que vous niez quelque chose que vous ne comprenez pas, ça va se retrouver et on aura des mouvements de gauche relous qui viendront ensuite nous faire du forcing pour nous dire quoi penser, quoi être.